Tous les fans de football ne pourront pas avoir accès au stade durant le championnat d'Afrique des Nations en cours au Cameroun. En raison de la crise sanitaire, la Confédération africaine de football a prescrit un taux de remplissage de 25% dans les stades qui abritent la compétition. À Douala, la demande est énorme. Les tickets pour l'accès au stade de Japoma ont presque tous été écoulés lors des rencontres de la première journée. Et les gens en demandaient même encore. Mais vu le contexte sanitaire actuel, on ne pouvait pas vendre plus que ce qui était demandé. Mais sinon, les gens vraiment appelaient, ils demandaient, ils en avaient encore besoin. Donc, presque tout a été vendu. Presque vraiment. S'il fallait donner un pourcentage, 98% des billets ont été écoulés. Le point de vente du parcours Vita, situé au nord de la ville de Douala, est l'un des plus courus. Ici, les billets vendus à 1000 francs CFA pour le stade de Bépanda sont en rupture. Les supporters tiennent néanmoins à vivre cette compétition. La demande est fortement élevée. Parfois, nous nous retrouvons même à bout, point où nous sommes en carence de billets. Nous sommes obligés de renvoyer parfois les acheteurs. Maintenant, ils doivent s'accommoder aux prescriptions de la CAF qui veut un remplissage de 25% et nous en tenons là et nous essayons de dire aux gens, voilà, si vous n'avez pas eu la chance d'obtenir un billet, venez au niveau de la Franzone assister à votre match paisiblement. Les stades de Japoma et Bépanda, avec une capacité de 50 000 et près de 40 000 places, ne pourront contenir pour cette compétition que 12 500 places pour Japoma et 10 000 pour le stade de la réunification de Bépanda.